Blanche. Voilà. On écoute Lucas Blanche sur les poésies qu'il a apprises pendant son école. Tu peux y aller, Lucas. Vas-y. On t'écoute. Voilà mon pomme planté, les roches viennent écarter. Moi non. Voilà mon pomme planté, les broches bien écartées. Moi non. Pour les deux heures et un peu. Voilà mon pomme planté, les broches bien écartées. Voilà, tu peux continuer pour la deuxième. Vas-y, tourne ta page. Pomme, pomme, dormez-vous. Pomme, pomme, dormez-vous. Pomme, pomme, ici les mâches. Pomme de tapis qui fasse le bruit. Et je rêve, je rêve. Bravo, la troisième. Qu'est-ce que vous allez nous présenter, Monsieur Hugo, Monsieur Lucas? Pas celle-là. Voilà, celle-là, par exemple. Non, celle-là, je ne sais pas qui est. J'aime son âme, j'aime son offre, le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue et toujours au pas. Ça, c'est la reine. Ben la reine, je sais pas, tu peux réciter. J'aime la galette. Quand elle est bien faite avec du beurre dedans, tra la 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 la, tra la 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 la. Bravo. Vous pouvez continuer, Monsieur Lucas. Le roi Saint-Yves, maman, te maman, c'est ma culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Bravo. C'était une princesse qui se grattait les fesses, qui se grattait les fesses. Qui se grattait le nez. Tu grattais le nez. Vous avez tout récité. Oui. C'était très bien. Alors, on va pouvoir regarder après. Alors, quel dernier mot vous pouvez dire? Comment ça s'est passé à l'école? Ça s'est très bien passé avec votre maîtresse? Expliquez un petit peu. On a fait un à manger. Oui, à la cantine. C'était bien la cantine. Dodo, et voilà. C'est très bien. Et entre autres, comment s'appelle le petit que vous ramenez de temps en temps à la maison? C'est Wistiti, non? Non. Comment c'est il s'appelle? C'est le doudou. C'est le doudou. Wistiti est resté à l'école. Et quelle est la fiancée de Wistiti? Il a une copine, Wistiti? Oui, il s'appelle Lola. Lola, oh là là. Et c'est quoi?